petit moment ensemble pour parler de choses bien profondes, essentielles, et de ne pas s'égarer trop, aller doucement pour pouvoir bien cibler, bien assimiler de quoi la vie elle est faite. Parce que la vie, souvent, elle est frivole, elle n'a pas trop de sens, elle est répétitive. On l'a déjà dit dans plusieurs vidéos, ça. Et voilà que nous sommes face à quelque chose d'inédit, en fait, dans l'histoire de toute l'histoire de la race humaine. L'homme, il a évolué. Il a évolué biologiquement. Le cerveau a pris l'ampleur. Et nous avons une vision, une perception de la vie qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on avait il y a 2000, 3000, 5000 ans d'ici. Nous avons cette faculté d'emmagasiner des choses et de les convertir. Et tout ce qu'on fait, ben, on les envoie dans un lendemain, où on se crée des lendemains, toujours mieux, toujours plus sophistiqués, toujours plus de sécurité pour pouvoir évoluer dans ce sens-là. Et cette évolution est nécessaire, je suppose, que nous avons tous cette envie de voir que les choses s'améliorent, que la condition humaine s'améliore. Et ça, c'est nécessaire. Mais est-ce qu'on a vraiment évolué autrement que ça? Autrement, il y a, depuis l'histoire de la race humaine, depuis que l'homme existe, il a toujours eu cette impression de vouloir se protéger, de vouloir avoir son besoin, les nécessités qu'il avait, qui lui étaient essentielles, d'en être assouvi. Mais toute cette activité-là avait besoin, pour rendre ça possible, avait besoin de l'instinct, de la hargne, de l'ambition de chacun pour pouvoir acquérir son propre indépendance, sa propre envie de rester vivant. Et en fait, ça existe depuis toujours. Et de ce côté-là, nous n'avons pas évolué. L'homme n'a pas évolué d'un seul iota. Et c'est de ça que j'aimerais bien discuter avec chacun d'entre vous. C'est de savoir comment faire pour considérer une évolution autre que celle que nous connaissons, à part l'évolution technologique. Quel autre ingrédient pouvons-nous mettre à la vie pour que la vie soit aussi, devienne ce qu'on appelle libre de toute faculté de se détruire? Parce que c'est ce que nous faisons. Nous avons un monde fait d'envie, de désir, d'ambition, et tout le monde le fait à sa sauce, du plus petit jusqu'au plus grand. On n'en est pas tout. Il n'y a personne qui est mis à part là-dedans. Tous, on est sur le même bateau, et on veut tous, chacun à sa manière, veut conquérir ce bien-être qui lui manque tant. Donc cette hargne à y arriver, ça a toujours été aussi l'histoire de la race humaine. Et là, nous disions qu'il n'y a pas d'évolution. Il n'y a aucune évolution là-dedans.
Et si tu considères ce que tu es, c'est que tu as besoin de comprendre comment sortir de ce train-train où seulement le côté physique, le côté matériel, le côté où nous voyons la vie avec un œil de l'intérieur qui regarde sur les choses de l'extérieur, et on comprend que les choses de l'intérieur deviennent importantes pour que nous soyons bien. Mais toutes ces choses extérieures que nous avons construites, et l'ennemi de l'ouverture vers l'intérieur. Parce que tout ce que tu veux, c'est ce qui se passe à l'extérieur. À l'extérieur de toi, il y a tout un tas de choses qui se proposent à toi. Le monde dans lequel tu vis te propose des choses. Il te propose d'être heureux et d'être joyeux. Il te propose d'arriver. Il te propose de grandir avec beaucoup de plaisir et d'atteindre tous ces plaisirs. Et c'est le fait que nous n'avions pas vu autre chose qui fait que toute l'histoire de nous-mêmes continue de la même manière. Nous sommes vides et nous sommes acharnés pour toutes les gadgets que nous inventons et qui nous donnent un peu de répit à la solitude, à la monotonie dans laquelle tout se passe. Et tu peux comprendre que tout ça nuit à l'harmonie de la planète, l'harmonie des relations, l'harmonie en soi. Parce que à ce moment-là, tu es en dualité avec ce que tu es et ce que tu aimerais avoir. Il y a une dualité entre celui qui veut et celui qui n'a pas besoin de rien. Et celui qui n'a pas besoin de rien, il n'a pas besoin d'évoluer, puisqu'il est déjà au top. Il est l'être qui n'a pas de besoin de rien pour être ce qu'il est. Mais il semblerait que nous, on est tout le temps en train de chercher quelque chose pour être ce qu'on aimerait être. Parce que ces choses nous donnent, on se donne dans ces choses l'identité qui fait de nous des gens en sécurité. Et nous avons besoin de ces choses. Nous les cherchons, on les prend et on se dit, mais là, je suis bien. Parce que je suis conforme à tout un système qui marche dans ce sens-là. Je ne crains rien, je suis bien dans le moule, bien rangé. Et c'est bien là notre problème, c'est que nous sommes rentrés dans un moule où nous répétons tout le temps la même chose. Inconsciemment, tu n'es pas vrai, tu n'es pas toi-même, tu es ce que tu aimerais être. Mais tu n'es pas toi. Et pour être toi, il n'y a pas besoin d'idéal. Il n'y a pas besoin de poursuivre un idéal soi que tu aimerais faire exister. Parce que cet idéal soi, en fait, il n'existe pas. N'existe que ce qui est déjà là. Et qui a toujours été. Et qui sera toujours. L'être que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Mais toi, tu t'es identifié à un commencement et à une fin. Et tu t'es assis sur des principes, des concepts, des idéaux que tu veux faire exister. Et ces idéaux de ce que tu aimerais être, eh bien, t'empêchent d'être. Puisque tu veux être. Donc, qui est le danger là?
d'après toi? C'est celui qui veut, non? Et pourquoi il veut? Pourquoi on veut être autre chose que ce qu'on est? Pourquoi nous avons ce désir de paraître dans une image qu'on se donne à soi pour pouvoir exister face au regard des gens? Et puis ne plus bouger le bateau, que toutes les choses se passent comme d'habitude. C'est là notre problème. Nous devrions nous pencher là-dessus pour pouvoir réfléchir si nous voulons continuer ainsi ou découvrir cette immensité en soi qui est là. Et comment sortir de l'extérieur de nous, de cette superficialité qu'on a, et revenir à l'intérieur. Parce que c'est là où tout se passe. D'ailleurs, j'ai lu une fois dans un livre, enfin la Bible, qui disait « Le royaume des cieux est en soi, est en vous. » Il n'est pas ailleurs. Il n'y a rien qui se passe ailleurs. Ce que tu es est là. Mais nous allons le chercher en haut. Il n'y a pas. Là-bas, il n'y a pas. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de direction. Il n'y a rien d'autre que ce qui est là. Et ce qui est là, et c'est comme une éternité. Et dans l'éternité, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Il n'y a pas d'endroit où aller. Tu es partout, tu es ce que tu es. Et c'est là que tout se passe. Mais pas ailleurs. Aller chercher ailleurs, ce serait renier la plus belle chose que toi-même tu as. Renier le cadeau qui se manifeste à travers toi. Ce serait même le combattre. Et il semblerait que nous faisons ça depuis des millénaires. Nous combattons cette émergence pour paraître dans un monde de futilité, de répétition, d'habitude et de train-train. Et là, il n'y a rien, rien qui va nous sauver. Parce que ce qui va nous sauver, c'est de retourner à la source et de voir que tout l'ordre et l'harmonie vient de là. L'ordre, la paix, la joie vient de là. Mais le monde qui est là, c'est le reste de la source. Cette eau qui a coulé, qui a ramassé la boue, elle est là, dehors. Et si on s'intéresse à ça, eh bien, on n'aura pas l'expérience pure, vivifiante de la source qui est en soi. Et c'est en soi que tout se passe. Donc, c'est peut-être une manœuvre complexe pour beaucoup de gens, puisqu'on a l'habitude que de regarder ce qui se passe à l'extérieur de nous. Mais je dis, réfléchis à ça. Réfléchis que le monde extérieur n'est pas toi. Et tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est une illusion. Réfléchis à ça. Prends en note. Et vois pour toi-même si c'est vrai ou pas vrai. Questionne-le. Questionne ce qu'on vient de dire là. Et vois-le. Parce que c'est là où il y a une porte ouverte vers quelque chose de complètement différent de tout ce qu'on connaît. Il y a une autre dimension. Et cette dimension, c'est la voie de la sagesse. C'est la voie qui fait que le monde puisse cohabiter ensemble
sans que on soit les uns les autres en rivalité. Parce que chacun veut de l'autre remplir le vide qu'on ressent. Mais ce vide qu'on ressent, c'est parce qu'on a quitté cette source. On n'est plus en contact avec la source. C'est pour ça qu'on ressent ce vide. Et il n'y a rien d'autre que de retourner vers cette source qui va faire en sorte que la vie prend un sens à nouveau pour toi. C'est à toi de le faire et personne d'autre ne peut le faire pour toi. Dans ce monde, il y a eu plein de personnes, plein de gens qui disent « Ben moi je sais, viens écoute-moi et puis tu seras bien. » Moi je dis « Écoute ton cœur. » Entends les autres. Vois ce qu'ils disent. Observe. Mais la dernière décision, c'est à toi de la faire. Et cette décision, c'est que tu vas comprendre que c'est en toi la vie, c'est en toi la joie, c'est en toi toutes les solutions à tous tes problèmes se passent à l'intérieur de toi. Parce que là, quand tu es en connexion avec cette source, tu es cette intelligence. L'intelligence de tout ce qui se meut sur la planète. L'intelligence qui a créé tout les choses qu'on a, on s'émerveille. Alors sois toi-même cette merveille qui émerveille.